je dis salut sure. quand même peut-être. Bah oui, tu dis ce que tu veux. On vous représente les vaches, ça fait très très longtemps, ça fait 4 ans donc bah on fait 4 une ans. Bah oui. Ah oui, Nénette, elle était minute comme dans... ça, ça anime la vidéo. Dans un magnifique environnement. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la présentation des vaches. Ça fait longtemps qu'on l'a pas faite et du coup on va la refaire. Et en plus là on va pour chacune des vaches, on va dire une anecdote sur sa vie, sa naissance ou un truc que vous allez voir tout de suite. Voilà. Et du coup on attendait de faire cette vidéo que tout le monde, enfin que tous les veaux naissent, parce que le dernier est né. Donc du coup on attendait, comme ça on peut tous vous les présenter. Les veaux, on vous donnera pas d'anecdotes. Ou alors si vraiment, si on l'a en tête, mais voilà. Les veaux normalement ils partiront tous, donc il y en a 11, enfin là il y en a 10. Il y a deux troupeaux, je vous expliquerai pourquoi. C'est parti. Et du coup les veaux seront vendus en automne quand ils rentreront. Enfin celui de dernier né, il partira un peu après vu qu'il est né seulement il y a une semaine. On attend quand même qu'ils aient 6-7 mois. Philippe. Alors elles veulent toutes être présentées. Alors on commence par Pauline. C'est Paulette, on l'appelle plus Paulette. Elle a eu 4 ans. Elle était censée faire son premier bébé mais elle l'a pas fait. Parce qu'elle en avait pas. Et du coup l'anecdote de elle, elle a le même prénom que notre sœur, du coup donc Pauline, voilà. Ensuite on a Philippine, alors elle est là, quel âge elle a, 7 ou 8 ans. Et du coup elle, pour l'anecdote, c'est qu'elle est, elle est souvent malade quand avant qu'elle mette bas. Donc avant quand elles étaient à la tâche, elle mangeait plus, elle maigrissait et tout. Et une fois qu'elle avait fait son veau, hop c'était reparti. En fait voilà, c'était toujours avant de faire son veau. Mais maintenant qu'elle l'a fait dehors, elle a plus de soucis quoi. Voilà. Ensuite c'est son bébé, donc le dernier né, c'est Frédéric. Ensuite nous avons Marcel qui a 5 ans. Alors elle a failli être échangée à la naissance avec Jeanne, que je vous présenterai après. Donc on lui avait mis un petit coton rouge. En fait elle se ressemblait tellement qu'on savait plus laquelle était pour quelle mère. Donc on lui avait mis un petit coton rose, un petit coton rose autour du cou, comme ça on savait que elle c'était pour la bonne vache. Voilà. La deuxième anecdote, c'est que elle devait être vendue et on devait juste garder Jeanne, mais en fait il y a un jour où je lui ai mis son licol et j'ai envoyé une photo à notre père et voilà. Il a dit on est obligé de la garder. Voilà. Ça va, c'est pas trop difficile. Par contre, elle a mis juste une fois un licol. Hein. Elle n'en a plus jamais vu. Et il y a son veau qui tète là. Ah oui. Et donc ça, c'est son veau, c'est Jérémy. Et lui, anecdote pour Jérémy, c'est que il a joué à cache-cache les 3 premiers jours de sa vie. Donc on l'a bouclé quand on l'a retrouvé. Voilà. Démonstration. C'est bon. Non ? Pas de démo ? Elle est énervée. Oh la reine. Ensuite nous avons Irène, la deux couleurs du troupeau. C'est la reine. Et pour l'anecdote, quand on vient la voir, bon là elle mange donc elle le fera pas. Quand on vient la voir, elle est... Elle nous mange. Voilà, elle nous mange, elle a une super grande langue et du coup je pense que quand on transpire, quand il fait chaud en été, ça doit être salé. Et du coup elle nous lèche quoi, voilà. Alors elle c'est, comment elle s'appelle, Justine, c'est plus son vrai nom. Elle s'appelle Justine, mais c'est Ménance. Voilà, ne me demandez pas pourquoi elle s'appelle comme ça. Bah on peut expliquer hein. Elle était minuscule, donc on l'appelait minuscule, après minus et après Ménance. Voilà, ne cherchez pas plus loin. Et du coup, l'anecdote c'est que quand on l'a lâchée avec sa mère, elle ne voulait pas aller avec sa mère, elle voulait aller avec nous. Donc en fait elle faisait le long des fils avec nous pour pouvoir nous rejoindre tellement qu'elle était attachée à nous. Voilà. Alors ça c'est Émilie, Milly, doucement hein. Oui t'es pas trop gentille toi. Bon, Émilie se casse. Voilà, on n'est pas trop à la bonne heure. Elle est là, j'ai pas dit l'âge, de Irène et Ménance, elles ont... 10 ans. 10 ans. Elles ont eu 10 ans. Mm. Et elle, du coup, elle a 9. Anecdote de elle, sa mère est de la même couleur que Ménance. Donc, super brune foncée. Et elle a fait un veau tout blanc.
mais vraiment blanc, hein, voilà. Ensuite, ça, c'est Estelle, elle s'appelle Bis. Ouais, elle est pas trop sympa. Estelle, c'est la mère de Prudence, et en fait, l'anecdote, c'est qu'elle a fait un déni de grossesse. Donc, en fait, un jour, on est revenu de chez notre sœur, et on a entendu gueuler dans une rigole, et en fait, c'était Prudence. Et donc, elle, on n'avait vraiment pas vu qu'elle allait faire veau. Elle l'a fait vraiment surprise. Elle était pas. En plus, on lui avait fait une piqûre d'avortement parce qu'elle avait que 2 ans. Et puis bah voilà, elle est quand même née. Et puis bah les deux se portent bien, c'est le principal. Voilà. Alors à droite, il y a Pascal, c'est le veau d'Emilie. Du coup, lui, bah c'est celui qui tétait pas, enfin qui tétait le cou de sa mère. Donc voilà. Maintenant, il tète les 4 trillons, c'est nickel. Ensuite, à gauche, on a Gilbert qui a qu'une seule boucle parce qu'il y a eu un petit problème de bouclage. Gilbert, c'est le veau de Avril et c'est son premier bébé. Voilà. Avril que vous allez voir après. Philippe, c'est le veau d'Estelle. Lui, il n'y a pas d'anecdote. Là, nous avons Jacques que vous avez vu naître sur la chaîne YouTube. C'est le veau d'Irène. Il a super éclairci. Il va être très très clair quand il va rentrer en automne. Il est super grand et gros. Là, nous avons Iris. Viens, ma belle. Iris, son anecdote, c'est qu'elle est super grosse. Enfin, elle est super grasse. En fait, sur le dos, on voit qu'elle a des boules de graisse. En même temps, elle a que ça à faire, hein, puisqu'elle n'a pas encore de veau. Ça, c'est une boule de graisse, par exemple? Ouais. Bah oui, elle m'a regardé sur son dos. Putain, c'est impressionnant. Ouais. Ça, c'est du gras. Ah ouais, c'est du gras, là. Ouais. Bah normal, regardez, vous n'en avez pas. Bah non. Ah, elle me lèche. Donc elle est voilà, grasse. Et autre anecdote, elle a une tache blanche sur la tête. Oui, on voit pas, il y a 3 poils. Quoi. Voilà, c'est rigolo. C'est ça. Voilà, nous avons surprise. Non mais s'il te plaît, Iris. Qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Iris. Là, nous avons surprise. Bon là, elle a peur de nous, mais d'habitude pas du tout. bah surprise du coup, comme son nom l'indique, c'était une petite surprise, attention à toi. Elle est née un jour qu'on s'attendait pas du tout, donc c'est la sœur de Prudence aussi en fait. C'est la même mère, elle nous fait des petites surprises de, bah, oui. de temps en temps. Oui, c'est ça, elle fait des... d'accord, voilà. Ok, super. Tu es poursuivie. Oui. Là nous avons Richesse, donc la maman de Soussou, que vous verrez tout à l'heure, si on arrive à tous les voir. Et du coup c'est la fille de Estelle. Et du coup, elle, bah, comme vous le savez, elle n'a pas accepté son premier veau. Donc, c'est Soussou que vous verrez tout à l'heure. Voilà. Là, nous avons Jeanne. C'est Nénette. Alors, bah, elle, c'est la jumelle de Marcel. Donc, c'est celle avec laquelle on a failli confondre. Et puis, bah, voilà, elles sont tout le temps ensemble depuis. C'est les jumes. Et derrière, nous avons son veau. Donc, c'est une fille pour une fois. C'est Jeannette. J'ai aussi vu son accouchement. Donc voilà, c'est elle a bien grandi. Hein, depuis tout ça. Alors elle, c'est Jonquille. Elle se barre. Voilà. C'est Jonquille et l'anecdote, c'est qu'elle est née de 2 couleurs. C'est pour ça qu'elle est là. Je l'avais gardée pour les 2 couleurs. On vous montrera des vidéos de elle petite, mais elle était vraiment, vraiment de 2 couleurs. Et elle a super éclairci, maintenant c'est la plus blanche. Donc. Ah, la saleté. On tombe vraiment à la mauvaise heure. Hein. C'est pour ça qu'elle se casse. Alors lui, bah, c'est Souvenir, donc c'est Soussou, c'est mon gosse, c'est pour ça qu'il est pas sauvage. Donc à la base, je le nourrissais au lait, mais en fait, un jour, il en a plus voulu, enfin, ou que de temps en temps. Et du coup, bah, maintenant, il se débrouille tout seul, il tète un peu à droite, à gauche. Et puis, bah, vous voyez, il est bien, il est pas maigre. Après, ça sera pas un gros veau. Ah bah non. Du coup, il a pas de maman, mais bon, c'est pas très grave tant qu'il est en vie. Et qu'il est en bonne santé, c'est le principal. Je me casse. Ça, c'est Avril, donc la maman de Gilbert. C'était son premier bébé. Elle s'appelle Avril, mais en fait, elle est née le 31 mars. Voilà. Alors ça, c'est Agnès, la fille de Ménance, qui est née dehors. Le même jour que Roland, le fils de Aventure, que nous allons voir tout de suite. Voilà. Ça, c'est Roland, donc le bébé de Aventure qui est né le même jour que Agnès. Et lui, on a cru qu'il allait mourir parce qu'il n'arrivait pas à se lever. En fait, il retournait sa tête. Enfin bref, c'était un peu spécial. Donc on s'est un peu battu et puis bah voilà, il est là. Ça, c'est Aventure, c'est la doyenne. Elle a 13 ans. 13 ans, elle est née en 2011.
Et elle, son anecdote, c'est qu'elle a une tache blanche sur la tête alors qu'elle est déjà blanche. Donc en fait, sa tache, on la voit bien. Hein. Entre ses deux cornes, ouais. Ouais. Elle a une tache blanche, plus blanche que elle. Enfin, c'est assez spécial. Donc nous les avons trouvées, alors elles sont quatre dans ce troupeau-là. Nous avons Prudence, que vous connaissez je pense plutôt bien. Donc bah du coup l'anecdote c'est que bah c'était un peu ma vache poney. Donc bah elle a été abandonnée, bah c'est, je vous ai dit l'anecdote de Estelle. Elle a été abandonnée, donc bah on l'a nourrie au lait en poudre jusqu'à ses 8-9 mois, un truc du genre. Et puis voilà, on l'a promenée en licole et puis bah, elle est toujours au licole d'ailleurs. Si je veux aller me promener, je peux. Enfin, maintenant, elle a son bébé, donc voilà. Et elle a 6 ans. On est le 6 mai 2018. Le jour de la Saint-Prudence, d'ailleurs, on a eu de la chance pour son prénom. Sagenis, c'est la première de tous les autres. Du coup, c'est Neige. Alors, bah elle est née dans le box. C'est pareil, on savait pas qu'elle allait faire veau. Et du coup, elle s'appelle Neige parce que le jour-là, il neigeait plein. C'était début mai. Enfin, ouais, début mai. Ouais, ouais. Celle qui est là, c'est Emma. Il n'y a pas d'anecdote. Elles ont qu'un an, donc voilà. Coucou. La dernière, c'est Emma. Pas du tout. C'est Rose. On l'appelle Rosie. J'ai pas vraiment d'anecdote. Si vous voulez, j'ai une petite anecdote sur les deux quand on les a mis au pré. Parce que du coup, on les a mis toutes les deux à la base. Et puis après, le lendemain, on a mis... Enfin, vous avez vu, normalement. Le lendemain, on a mis Prudence et son bébé. Elles, donc, le temps que Prudence arrive, elles se sont foutues sous un arbre. Et elles bougeaient plus, les pieds dans l'eau même. Enfin, bref, je sais pas ce qu'elles ont eu. Et dès que Prudence est arrivée, ça a été mieux. Elles ont été dans tout le pré. Voilà. Donc voilà, on a terminé de vous présenter toutes les vaches. Pour l'instant, il n'y a pas de taureau, mais si vous voulez voir, normalement, il arrive la semaine prochaine. Et je vous le mettrai sur Instagram, donc allez nous suivre. Et du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bisous!